C'est quoi votre prénom ? Wilfried. Et Elise. Et pourquoi vous avez décidé de vivre dans ce quartier ? Est-ce que vous l'aimez ? Est-ce que vous l'aimez pas ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez pas ici ? Non, nous on aime bien. On a un peu de passage, on va pas y rester je pense longtemps, on sait pas trop, mais c'est très agréable. Et c'est vrai que ça reste très accessible. Voilà. Ouais, et puis en plus il y a les commerces de quotidienneté qui sont pas loin, on n'est pas loin des transports en commun pour circuler dans la ville. Donc c'est une ville qui reste vraiment pas chère, Saint-Etienne. Donc après il y a pire comme cadre de vie, hein. On peut comparer Saint-Etienne à d'autres endroits en France où c'est bien plus dangereux. Et voilà, enfin il n'y a pas de crainte à se promener dans Saint-Etienne, quoi qu'il arrive. Quoi. Et dans votre quartier non plus ? Non plus. Non, c'est même très bien. Les commerçants sont gentils, enfin on se connaît petit à petit avec le temps. Enfin non, ouais, ça reste un bon quartier, quoi. Vous trouvez qu'il y a assez de commerce, justement ? C'est ce que reprochaient certains habitants ? Ah, bah alors, la problématique des commerces dans la ville de Saint-Etienne, ça fait un moment qu'on en parle. Ouais, il y a un manque de dynamisme, hein, mais les commerces de proximité ont des difficultés à rester en activité, ça c'est sûr. Après, nous, on va pas se plaindre dans ce quartier-là, hein, parce qu'on a une épicerie, on a un bureau de tabac, on a une boulangerie en bas, enfin... Voilà, comme je dis, tout est relatif. Hein, voilà. C'est voilà. Plutôt un quartier agréable à vivre. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, on s'y sent bien, hein, on va pas se plaindre. Hein. Donc voilà.